amis, camarades. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 août 2019 et je suis en train de grimper au-dessus de Revin. Donc un point de vue qui s'appelle la Falière ou les Falières, je ne sais plus exactement. C'est là où on fait aussi du parapente. Voilà, je vous laisse découvrir avec moi. À bientôt, au revoir. Thank you.
ça, quoi. Eh bien voilà un banc avec une traverse de chemin de fer. Hein. Ça va faire l'affaire pour mon casse-croûte parce que il est l'heure, hein, les copains, il est l'heure de casser la croûte. Hein. Et puis j'ai faim parce que c'était une sacrée escalade hein, quand même. Hein. Il fallait le faire de monter jusqu'ici. Très beau paysage, personne comme d'habitude. Dès que ça grimpe, on ne voit plus un chat. Mais c'est tant mieux pour moi. Un bon ressourcement dans la nature. Il n'y a que ça de vrai. Allez, bon appétit les amis. Bon ben les petits copains, voici le casse-croûte. Hein. Déjà j'ai bu un bon coup parce que j'avais soif. Hein. Donc ben, comme d'habitude, hein, mon morceau de pain, une banane, de la tomme de montagne, et puis une terrine de porc à la bière et au baies de genièvre. Ça doit pas être mal ça. Hein. Donc visiblement avec ça, ben, j'ai ce qu'il faut pour tenir le coup. Voilà. Voilà mon beau petit coin pour casser la croûte, tout en hauteur. C'est parfait. Et bien, je vais vous souhaiter à tous un très bon appétit. Pour moi, il sera bon parce que franchement, j'ai faim là. Ben, mon Dieu, au poil, hein. Au poil, cette terrine. Formidable. Ouais. Une très bonne terrine, magnifique, très très bien. Et puis en plus, le soleil commence à se lever, donc ça va être parfait ça. Quand il y a le soleil, un bon casse-croûte, bah, tout Dieu pour être heureux. Hein. Et la vie est simple, elle est magnifique. Aimez-la, bouffez-la à pleines dents. Et ben, il ne reste de rien de la terrine qui était bien bonne. Hein. Voilà. Liquider, nettoyer. On va attaquer maintenant la tome de montagne.